Cocody Palmeret, siège de la microfinance Crédit Access. Ici se déroule la 6e édition de l'opération annuelle de dons de sang, dénommée les Journées des Héros. Dans un élan de solidarité, le personnel s'est mobilisé pour prendre part à cette action de portée sociale qui a pour objectif de sauver des vies. C'est pas la première fois pour moi de le faire parce que Crédit Access initie ses activités couramment afin que nous aussi, en tant que citoyens, nous puissions contribuer au bien-être de la société en partageant notre amour, en partageant notre intérêt pour tous et subvenir également aux besoins de ces personnes-là en mettant à leur disposition également notre sang. Cette 6e édition marque l'engagement, encore une fois, de Crédit Access aux côtés du CNTS. Nous avons enregistré environ 300 poches de sang qui ont été collectées sur l'ensemble donc des agences qui ont contribué efficacement à cette collecte. Et nous en sommes fiers. Nous voulons remercier par la même occasion l'ensemble du personnel de Crédit Access pour cet engouement, pour cet engagement à contribuer à sauver des vies. Du mardi 11 au vendredi 14 juillet, cette opération de don de sang s'est déroulée sur l'ensemble du réseau d'agences d'Abidjan et des villes de Bouaké, Korogo, Daloa et San Pedro. Il faut noter que cette initiative, qui s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'institution, a pour objectif de contribuer à combler le déficit sanguin enregistré depuis de nombreuses années par la Banque de sang de Côte d'Ivoire.